cœur mi-air est bien? Je pense pas. Alors, il est temps de grignoter quelque chose de délicieux. Quoi? Tu as trouvé où les friandises? Je n'irai pas à l'hôpital sans eux. Mais qui va entrer là-dedans? Non, il faut cacher ça. Mais où je vais mettre tout ça? Sous mon plâtre. Eh bien, bien, mademoiselle Tina, vous avez besoin de repos et vous sautez partout. Qu'est-ce que vous cachez sous votre couverture? Alors, pourquoi vous avez du chocolat sur vos lèvres? Ouvrez! Ah ouais! Tina, nous ne nous autorisons pas les sucreries à l'hôpital. Je prends tout! Attendez, non! Vous laissez où une friandise? Oh non! Quoique, attendez! J'ai un truc caché que l'infirmière n'a pas trouvé. J'ai droit un coup d'œil. Oh, ça sent si bon. C'est exactement ce qui me manquait. Oh, c'est le problème qui doit être résolu et je sais comment. Je vais envoyer un message à mon frère pour lui dire que j'ai besoin d'un coup de main. C'est qui m'a envoyé un message? Oh, c'est ma sœur de l'hôpital. Waouh, elle n'a plus de bonbons. C'est affreux, je dois l'aider tout de suite. Je vais chercher toutes les friandises préférées de ma soeur, ensuite nous irons à l'hôpital. Si seulement infirmière laissée, devrions essayer de passer à travers. Peut-être qu'elle ne remarquera pas. Et du calme, qu'est-ce qui se passe? N'autorisons pas les sucreries. Ou alors? Oh, bonjour. Vous m'avez donné une idée géniale, madame. Sérieusement, elle ne veut même pas regarder la suite. Oh, bon, tout le monde. Alors, il faut tomber enceinte. Alors, comme je suis un garçon, la seule façon de tomber enceinte, c'est avec les friandises de mon sweatshirt. C'est pour être sûr, il faudrait que je porte une perruque. Moi, je suis une belle blonde. Faisons un peu de rouge à lèvres. Génial. Il ne me reste plus qu'à poser mon sac à dos sous mon sweatshirt et on part chez ma soeur. C'est fait. Oh, voilà, je suis prêt. Oh, c'est la deuxième tenance en dîner. Je peux écouter votre ventre, madame? Oh, nous sommes en train de coucher. Il faut que je joue un médecin. Oui. Oh, pas pendant mon service. Entrez donc. Oh, c'est tellement difficile de courir avec ce ventre. Oh, Tina, bonjour, je suis là pour te voir. Oh, tu me reconnais pas? On se connaît? Oui. Allez, j'avais un super plan. Tina, c'est moi, ton frère Oscar. Tu me reconnais? Génial, je t'ai apporté quelques bonnes choses dans mon ventre. Allez, viens! Je suis la seule voisine de Tina, partage avec moi, s'il te plaît, je veux aussi des friandises. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Julie? Elle veut aussi une friandise, bien sûr, nous allons partager avec toi. Oui, mange. Oh, tu peux mettre directement dans ma bouche? Qu'est-ce qui vient vers moi? Oui, rends-les-moi, tu peux continuer. Allez, sors d'ici. Ils ont emmené qui? Qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis fait écraser par un train. Je me suis pianter par un éléphant, c'est ça. Mon Dieu, nous devons l'emmener au bloc opératoire tout de suite. Il est si jeune, il a déjà tellement de problèmes de santé. Donnez-moi les bonbons. Qui est le prochain? C'est quoi cette journée? Quoi? C'est mon frère Oscar. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi, il est vivant? Je suis désolée, mais il est dans deux coma. Comment ça? Un coma sucré? Oh non, mais vous aurez pu trouver quelque chose de plus intéressant. Au cas où je t'ai apporté tellement de friandises, c'était une farce. Mais il ne m'aurait pas laissé entrer sinon. On mange ensemble. Je suis là. C'était une farce de première ordre. C'est vrai, mon frère. Attrape ça, Julie. Oh, désolé. Voilà, Julie, les bonbons, ils sont vraiment bien la tête. Oh non, mais j'ai déjà dit, tu ne peux pas aller avec des bonbons. Rends-moi tout ici. Moi, je suis tellement cool, je prends des bonbons enfants. Ça a toujours été mon rêve. Je les mangerai tous après le travail. Et je suis si belle dans mon uniforme d'infirmière. J'ai toujours rêvé de travailler ici. Où aller donc infirmière? Alors j'ai un plan génial pour faire passer des bonbons en douceur. Je vais faire semblant d'être infirmière. Voilà. Faut pas oublier la mauvaise tête. Oh, je suis désolée, mais tu peux pas porter ça. Ouais, t'es qui? En nouveau infirmière? En remplaçant? D'accord, je vais aller déjeuner, mais je te surveille, le nouveau. Eh bien, elle est enfin partie. J'ai besoin de cette boîte de friandises tout de suite. Allons la porter à la sœur. Oh, allez, mon marmelade. Qui mange des sucreries ici?
C'est naturel, mais encore, j'ai tout vu, alors j'ai apporté d'autres friandises. Salut, Surette. Mon prince, c'était vraiment toi? Non, des friandises, je suis affamée. Et moi aussi, n'oublie pas que je suis là. Oscar, t'as oublié de dire bonjour à Julie. Bonjour, Julie. Et voilà, on a des friandises. Oh, bonjour. Je savais que les beaux gosses comme toi ne pouvaient pas travailler dans cet hôpital. Sors d'ici. Je ne veux pas le te revoir. Oh, quel mal à la tête, c'est affreux. Bon, la revoilà. Comment j'ai censé faire entrer tous les friandises, c'est ça? Bonne excuse pour essayer de jouer un rôle de médecin. Je n'ai pas encore choisi de métier, alors je devrais aussi essayer d'être un médecin. La blouse blanche me va bien, j'aurais besoin d'une paire de lunettes pour avoir l'air intelligent et une badge d'identification, une maladie friandise, elle est tout réjouée. Oh, bonjour docteur, j'ai besoin de votre aide, j'ai très mal à la tête. Touchez ici, aïe. Oh non, engagez pour la douleur. Quoi, ça va, hein? Vous voulez une pilule? D'accord, cherchons quelque chose. Même si je n'ai rien d'autre que des friandises ici. Est-ce que quelque chose passerait pour une pilule? Oh, c'est ça! Mosquitos pour l'affaire. Voilà, tenez. Oh, merci, docteur. Oh, je crois que c'est bon. Il faut que je sorte d'ici. Et pourquoi la pilule est-elle si sucrée? Te rappelle-t-elle des Skittles? Ce sont vraiment des Skittles. Ouais, vraiment? Attendez, je m'en vais. Oh, ce mal de tête fait encore mal. Non, pas de sucrerie. Walder, il faut que je fasse un long des trajets, comme ça passera à coup sûr. Est-ce que j'ai l'air bien? Allons-y. Qui est là? Mon Dieu, c'est quoi ce bruit? Oh, c'est qui? Nous devons vérifier si vous avez de bonbons. Ah oui, c'est le jeudi de la Saint-Jean. Bien sûr, messieurs, vous pouvez y aller. Le docteur vous attend. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, mais c'est pas Pika qui a fait tout ça. Eh bien, attendez. Oups, c'est pas moi. Partez d'ici. Oh, cher Jean, en train de rouler. Je vais t'aider. Oh, tu peux encore marcher. T'as beaucoup de choses avec toi. Oui, c'est une journée difficile aujourd'hui. Oh, c'est de là qu'elle vient cette lumière. Salut bébé, je dois rendre visite à ma soeur. Je suis en tournée. Tu as raté ça? Oh, comme c'est cool. Merci pour la chanson. Quoi? Moi? Chanter? Je ne suis qu'une infirmière ordinaire. Qu'est-ce que je suis censée chanter? Essaye donc. D'accord. La 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 la. Comment c'était? C'est la meilleure que j'ai entendue. Tu mérites vraiment une rose avec ta voix. Je vais me laisser entrer pour toi. J'espère te voir en concert, baby. D'accord, appelez-moi. Au revoir. Non, mais ça m'énerve ce truc. C'est qui ce clown? Je suis un grand amuseur. Et ton prêtre préféré, Oscar. Et voilà, j'ai fait une voix de plus de faire passer un de tes friandises grâce à mes brillantes idées. Et voilà, c'est drôle ça, ma soeur. Tiens. Oui, des friandises. Je mets un peu de tout. Oui, beaucoup. Tiens ça, chérie. Je m'apprête à vous chanter mon dernier truc sur les chansons délicieuses. La 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 la, chante avec moi. Oh, vas-y, chante. La 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 la. Oh oui, tu sens très bien la musique, on chante tous ensemble. Waouh, les friandises sont cool. Oh, laissez-moi passer. Oh, combien de fois pouvez-vous entrer avec des friandises? Nous avons des panneaux partout qui disent que vous ne pouvez pas. Il faut trouver une chose. J'ai déjà une idée. Oh oui, je vais faire semblant d'avoir un bras cassé. Mais il y aura des bonbons à l'intérieur. Ça va être vraiment génial. Oh, mon bras! Attendez, dis-moi franchement, est-ce que tu manges des bonbons en cachette? Oh mon Dieu, je suis désolée. Entrez bien sûr. Merci. Oscar, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mal, je crois que je me le suis cassé, je ne le sens plus du tout. Oh, je suis désolée, Julie. Pourquoi t'es allongée là? Tu sais quoi, j'ai une surprise pour toi. C'était une farce! Je vais bien juste cacher des bonbons dans mon plâtre. Ouais, je sais que je suis un génie. Dépêche-toi de me donner les bonbons. Oui, mais ce qui t'a préféré!
Oui, j'en ai eu aussi. C'est un vrai régal. Votre billet? Excellent. C'est quoi ça? Accompagnez-moi dans le lion, vous ne pouvez pas. Oh non, je ne peux pas laisser mon lapin. Mais je crois que j'ai une idée. Je vais le cacher sous mon chapeau. Personne ne le verra. C'est cool, hein? Donnez-moi votre chien, il vous attendra ici. Le suivant. Tiens, vas-y. Voici mes documents. Oh. Ouais, c'est bien avec ça. Et je vous laisse vous vérifier. Bon, vous ne pouvez pas mentir le scanner. Quoi? Le lapin? Vous voyez? Vous ne pouvez pas monter à bord. Oh, s'il vous plaît, ne prenez pas mon lapin. Ne vous inquiétez pas, il est en sécurité. Maintenant, vous pouvez y aller. C'est tellement dommage. Oh, je vais pleurer. Je crois que j'ai une idée. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est qui sous votre chapeau? Il n'y a personne. Mais si j'ajoute un peu de magie, voilà le passeport et le billet. Wow, génial. Alors, il n'y a vraiment rien à l'intérieur? Ouais, c'est vraiment vide. Bon, vous pouvez y aller. Merci. Wow, quel tour de magie. Grand prône à l'avion. Oh, quel mystérieux. Ouais, salut. J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise? Je croyais que t'as oublié ton ami à l'entrée. Une seconde. Voilà, elle est là. Oh, wow, comment est-ce possible? Grand merci. Ok. Moins de rien. Vos documents, vous pouvez y aller. Merci. Oh, bonjour. Bonjour. J'ai quelque chose pour vous. Alors? Quoi? Le chien? Oh, le lion en bébé? Mais comment ça? Désolé. Non, vous pouvez pas prendre la mienne. Oui, 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 comme vous le voulez. Non, mais n'importe quoi. Ouais, et ça, je vais prendre pour moi. Voici mon ticket. Alors, c'est bien, votre billet, vous voyez en seconde. Vous n'avez pas d'animaux, vous pouvez y aller. Merci. Yeah. Non mais, c'est quoi ça? C'est un cochon d'Inde dans votre sac à dos. Vous ne pouvez pas y aller. Vous comprenez? Sortez de la file d'attente. Oh non. Je peux pas prendre les animaux, mais j'ai une grenouille. Et si je le cachais dans un livre? Bonne idée. Heureusement que j'ai pris un couteau. Oh, je vais couper une place pour mon petit ami, on s'envolera ensemble. Comme ça. Et attention. Désolée, j'ai pas fait exprès. Salut mon grenouille. Alors, qu'est-ce que t'en penses de mon idée? Reste tranquille, s'il te plaît. Personne va te trouver. Bonjour. Voilà mon billet. Ouais, vous pouvez y aller. Et le scanner? Oui, bien sûr. Parfait, vous pouvez y aller. Bon vol. Ah oui, je vous l'ai fait comme ça. Bonjour, bienvenue à bord. Cool. Oui, j'ai bien réussi. Ça va? Oui. Et oui, ça va très bien avec mon grenouille aussi. Vas-y, tu peux y aller. Bien joué. Qu'est-ce que c'est que ça? Une grenouille dans l'avion? Enlève-moi ça. Et voilà. Alors, ça va? Voilà. Non mais, vous avez pris un perroquet. Non, vous pouvez pas y aller. Il restera avec moi jusqu'à votre retour. Comment ça? Ça craint. T'as vu ça? Les animaux ne peuvent pas y aller. Et qu'en est-il de notre caméléon? J'ai une idée. Une idée? Quoi? Et bon, d'accord. Et voyez vos documents? Oui, je peux y aller. Allez, bien danse. Bonne journée. Cache tout sous le plaid. Voilà. Bonjour.
Voilà, mon frère a cassé la jambe, du coup, il peut pas y aller. Je suis désolée pour vous. Ouais, vos billets. Oh oui, j'ai oublié. Oui, je vais juste les trouver. Voilà. Non, ça me chatouille. Non, pourquoi elle est assise là? J'ai peur que je peux pas le supporter. Non, j'ai vraiment peur. Calme-toi, calme-toi, il regarde. Quel est le problème? Montre-moi ça. Qu'est-ce que vous avez? Un caméléon? Vous pouvez pas y aller. Oh, oui, désolé. Alors, il peut pas marcher. Au revoir. Non, vraiment dire. N'importe quoi, menteur. Attendez, on a une règle. Pas d'animaux. Oh non. Je voulais prendre mon animal. Laissez-la. Et va pas voler. N'importe quoi. Et maintenant, vous pouvez y aller. Bon vol. Je veux pas voler, c'est mon meilleur ami. Je sais. Ah bah, le gilet de pêche. Oh, voilà, la panama. Et la canne à pêche, je vais faire une laisse. Je vais mettre des lunettes pour les aveugles. Et voilà. Je vais corriger la photo de mon passeport pour que m'en reconnaisse. Voilà, c'est fait. Voici une fille aveugle et son chien guide. Je suis le maître. Où est l'avion? Où est l'avion? Et attendez. Où est l'aveugle, la pauvre? Montrez votre billet. Évidemment, tenez. D'accord, voyons. Ouais, tournez. Ouais, je pense que c'est elle. Voilà, vous pouvez y aller. Oh non! Non mais attends! Qu'est-ce que c'était? Non, est-ce qu'elle est pas aveugle? Et attends! Attends! Tu peux pas agir comme ça, tu peux pas! Ouais! Quitter l'aéroport! Oui! Et voici mon document! Oui, bon, voyons voir! Oh, waouh! Quelle dame! Ouais, quelle beauté! Ouais, c'est vraiment la femme de mes rêves! Vraiment génial! Super cool! Salut! Salut! Je peux passer? Okay. Bien sûr, bien sûr! Une minute! Merci! Bon vol! Oh waouh! Enfin, je suis dans l'avion! Waouh! Quoi? Ah bon! Je suis dans l'avion? Je peux enfin voir mes animaux de compagnie! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Des hamsters? Oh non! Oui, vous êtes avec moi! Bon voile! Je suis pas en retard! Voilà mon billet! Non, non, vous n'êtes pas en retard! Tout va bien? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, vous ne savez pas nos règles! Pas d'animaux! À bord! Non, mais comment ça? Oh, voilà! Plus haut? Non, plus bas! Qu'est-ce que vous faites? Oh, oui, je suis le photographe super célèbre. Je peux faire quelques photos de vous? Moi, ouais, évidemment, une seconde. Je repère ma cravate et je suis prêt. Super! 3, 2, 1. C'est parti! Wow, flash dans les yeux! Oui. Et maintenant, je peux rapidement cacher mon chapeau dans le sac de l'appareil photo. Oui. Je vais pas te laisser en fait. Comme ça. Et ça, c'est pour vous. Oui. Dépêchez-vous, on doit décoller. Oh oui. Je suis attente, t'es là, bébé. Quel bonheur. Oui. Félicitations. Regarde comme c'est cool ici. Ouais. Je vois encore. Quoi? Il est où le chaton? Non, mais tu m'as menti. Attendez. Ouah. D'accord. Oui. Nous allons vous apporter un aimant. Oh, waouh! Où sommes-nous? Oh, on est enfermés ici! Non, n'importe quoi! Quoique, arrête de courir! Il semble y avoir quelque chose de très intéressant ici. Marie, qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'abord d'ouvrir les boîtes. Je me demande ce qu'il y a là-dedans.
Oh, n'importe quoi. Regarde, il y a autre chose. Il doit y avoir une clé dans cette boîte. Oh, ouais. Non, mais j'y vais pas, moi. Je propose de résoudre cela avec l'aide d'une comptine. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais chercher la clé. Bon, je vais devoir chercher la clé. Oh, c'est quelque chose de mouillé. Probablement de l'ordinaire. Bon, j'ai peur quand même. Mais j'espère que ça va aller. Non, c'est pas la clé. C'est un poisson. Ouais. Oh, regarde comment il est beau ce poisson. Je vais le remettre à l'eau. Nous sommes toujours intéressés par autre chose quand même. Et voilà la clé. Marie, viens avec moi. Clé rouge signifie qu'il est avec elle. On peut ouvrir le coffre-fort rouge. Et voilà, on ouvre. Oh, de la dynamite! Non mais, vraiment? De la dynamite? Quelle horreur! Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Je sais pas, je sais pas. Oh, j'ai une idée! J'espère que j'ai pris des pinces. Ouais, je cherche. Ouais, bien sûr! Marie, tu peux couper le fil? Tu ferais mieux de faire ça, toi. Bon, je vais essayer. J'espère que je ne vais pas déchirer avec cette dynamite. Il me semble que le fil jaune serait la bonne solution. Oh, ça a marché. Oh, rien n'a fonctionné. Oh, n'importe quoi. Oh, c'est tellement sale là. Mais j'ai une idée. Je vais avoir besoin de ce truc-là. Oh, mais c'est quoi, la brosse? Non, mais arrête d'être paresseuse. Il faut chercher la clé suivante. Vas-y, va-t'en. Oh, ouais. Bon, je suis forte. Je peux le faire. Je me demande ce que c'est. C'est bizarre. Oh, ouais. C'est l'os à marmelade. Et au fait, c'est très bon. Mais j'ai plutôt besoin d'une clé. Et là, voilà. Je ne vais pas le laisser tomber. Vas-y, Mia, ouvre le coffre. Oui, bien sûr. Mais peut-être toi-même. Bon, vas-y, je vais le faire. Bon, voyons voir. Oh, waouh! J'ai tout le visage en paillettes maintenant. N'importe quoi. Non, mais en fait, c'est super cool. Tu peux faire un maquillage super brillant. Oui, regarde, juste comme ça. Mais pourquoi t'as besoin de maquillage? Mieux vaut chercher la clé suivante. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il n'y ait rien de très effrayant à l'intérieur. Quelque chose bouge. Ça doit être un dinosaure ou un crocodile. Non, ils sont trop gros. Voyons ce que c'est vraiment. Oh, c'est ça! C'est un vrai caméléon. Il est tellement mignon. Je vais l'envoyer se reposer. Je n'ai besoin qu'une clé. Et là, voilà. Il est temps d'ouvrir le coffre-fort vert. Et c'est le moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ouais, mais comment utiliser ce pistolet pour l'argent? C'est bizarre, ça. Oh, non, mais regardez combien d'argent y a-t-il. Tout est pour moi. Je me sens comme la fille la plus riche du monde. Oh, oui, c'est génial, ça. Ouais, c'est parfait. Il y a tellement d'argent. Tout le bien finit un jour. Rends-moi mon argent et prends la clé s'il vend pour nous. Et si je gardais juste un peu? Je vois tout, hein. Bon, je vais devoir récupérer la clé honnêtement. Oh, il y a quelque chose de cool et gentil et mou à l'intérieur. On dirait du sable cinétique, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Et voilà la clé. Il est temps d'ouvrir le coffre bleu. Bon, je me demande ce qui se passe si je tire par le lacet. Ouais. Waouh, regarde. Il y a tout un tas d'orbites. Tire encore. Ouais, c'est super cool. Je suis la vraie reine de tous les orbites. Cool. Donc, il semble y avoir une nouvelle clé. Eh? Je devrais l'avoir. Bon. Je me demande ce que c'est. Bon. Oh non, ce sont des vers. N'importe quoi. Il faut récupérer la clé. Ne plus jamais toucher à cette chose horrible.
Ah, oh, je vais vomir, Marie. Sauve-moi. Oh, tout était décidé par lui-même. C'est cool d'avoir un joli coffre fort rose quand même. Oh, et à l'intérieur, il y a de la mousse rose. Mais pas du tout mignonne. Oh, n'importe quoi. Et moi, je trouve ça marrant. Ouais, génial. Et Marie, c'est à ton tour de récupérer la clé. Oui. Bon, après les verres, il est particulièrement friand d'y mettre les mains. Oh, c'est encore dégueulasse. Je vais pas y toucher. Mais tu dois avoir la clé. J'ai traversé des verres, donc tu dois traverser quelque chose de terrible. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Oh, c'est un œil. Oui, c'est un œil. Et il est très bon d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est juste un bonbon. Vas-y, cherche la clé. Bon, d'accord. Et la voilà. C'est l'or du coffre bleu. Ouais, et là, j'ouvre. Voyons voir. Et c'est l'or du coffre bleu. Mia, je veux que tu appuies sur ce bouton. C'est fait. Ce n'est pas pour rien que j'ai cliqué dessus. Sinon, je devrais me tenir sous ces trucs bleus dégoûtants. Oh, oui, n'importe quoi. Bon, ce n'est pas pour rien que j'ai cliqué dessus. Sinon, je devrais me tenir sous ces trucs bleus. Bon, je dois aller chercher la clé suivante. Oh, c'est quoi ça? Des cheveux? Oh, c'est vraiment dégoûtant. Ah, pourquoi j'en ai moi? C'est dégoûtant ça. Oups, j'ai pas fait exprès. Elle est où cette stupide clé? La voilà. Il est temps d'ouvrir le plus sombre de tous les coffres forts. Hey, come on! Okay. Bon, voyons voir. Yummy! Il s'avère que c'est dans le coffre fort le plus sombre que c'est délicieux. Il y a plein de biscuits Oreo. Ouais, génial! Comme c'est bon! Mia, tu pourrais me donner un autre biscuit? Oh, c'était juste délicieux. Peut-être qu'il y aura aussi quelque chose d'agréable dans le prochain coffre fort. Bon, je dois d'abord trouver la clé. Oh. Donc, c'est quelque chose de coulant. On dirait des œufs crus. Oh, n'importe quoi. Bon, je dois faire quelque chose. Mais j'ai trouvé la clé. Voyons voir ce qu'il y a dans le coffre jaune. Mia, tu vas l'ouvrir? Bien sûr. Mais je ne le permets pas. Ridicule. Il y a clairement quelque chose de cool là-bas. Mais non, s'il te plaît. Oh, ouais, il y a vraiment quelque chose de cool. Je suis sûre. Oh non! Oh là là! Il y a vraiment quelque chose! Oh, n'importe quoi! Je n'ai rien vu de plus drôle depuis plus longtemps! Tellement drôle! Arrête de rire! Et va chercher la dernière clé! Très bien! La poule! Bon, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est tellement dégoûtant! N'importe quoi! Ah! Ce sont des Oh, mais il faut récupérer la clé. Oh, enfin, je l'ai fait. J'ai failli m'évanouir de peur. J'espère qu'il y a quelque chose de cool dans ce coffre fort. Et ouais, c'est notre clé de la liberté. Ouais, cool. On a réussi le challenge. Oh, et là, il est temps de sortir. C'était cool, mais on doit y aller.